Hello tout le monde, c'est Stand 1, 2, 3, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée sur un assez bon gameplay de ma part sur Modern Warfare 2. Donc on se retrouve en match par équipe sur Favela, et je vais faire une tentative bombe nucléaire à l'intervention. Donc ma classe est intervention sans camouflage et sans accessoires. Passe-passe, force de position commando, en deuxième arme c'est le Colt Anaconda balle chemisée. Et comme grenade, c'est grenade, enfin comme grenade spéciale, c'est les grenades paralysantes et le couteau lancé. Alors, comme vous avez pu le voir autant au début de cette vidéo que en haut à droite de ma vidéo, je vais tenter de passer sur Code QG. Donc ma chaîne a un petit creux pour le moment, donc pas trop d'activité, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter de passer sur cette chaîne. Donc voilà, grand merci à vous en tout cas si cette vidéo est upload. Et bonne continuation en tout cas à votre chaîne. Alors aujourd'hui, évidemment, vu que cette vidéo va peut-être passer sur cette chaîne, je vais me présenter et ensuite je vais poser une question. Comme vous pouvez sûrement le voir dans le titre, c'est quel serait votre type de youtubeur parfait? Donc j'en reparle juste après, mais d'abord je vais me présenter. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ludovic et j'ai 18 ans. 18 ans, excusez-moi, j'habite en Belgique, à Liège plus précisément, et je réalise des vidéos sur YouTube depuis novembre 2010. Alors, je postais en premier lieu des vidéos sur les Call of Duty, sur la série Call of Duty, mais ça, j'ai peur en fait que ça lasse les gens, donc des fois j'essaie de varier un peu de jeux, etc. Même si j'ai des abonnés inactifs, j'essaie de le faire quand même un petit peu. Mais bon, voilà. Il y a peu, j'ai décidé de faire une nouvelle chaîne où j'allais tout recommencer à zéro parce qu'en fait, sur cette chaîne, donc ma chaîne PS3 Sandor 2-3, à l'heure où je vous parle, j'ai un peu plus de 2000 abonnés. Je crois que je suis à 2100 et quelque chose. Et le problème, c'est que avoir beaucoup d'abonnés, c'est bien, mais bon, il y a beaucoup d'inactifs. Je vais dire, j'ai 300-400 vues par vidéo pour le moment sur 2000 abonnés, donc ça fait quand même 1600-1700 abonnés inactifs, donc ça fait vraiment beaucoup. Donc évidemment, si cette vidéo est plus sur Code QG et que vous aimez bien mon travail, si vous vous abonnez et que vous décidez de me suivre, voilà, je préfère que vous regardiez mes vidéos car des abonnés inactifs, j'en ai déjà énormément. Enfin, soit, je suppose que ça, vous le savez. Donc j'ai décidé de refaire une nouvelle chaîne que j'ai finalement abandonnée parce que j'ai recommencé à avoir des abonnés inactifs et je me suis dit voilà, on va retourner sur l'ancienne chaîne. Enfin soit, c'est du passé et donc là vous pouvez voir, on revient vite au gameplay, je suis dans mon mitrailleur hélicoptère ou mon chopper gunner ou je sais pas comment vous voulez dire, je m'en fous. En tout cas, je suis dans mon mitrailleur hélico et je vais tenter évidemment d'avoir la bombe nucléaire et logiquement. Lorsque vous avez un mitrailleur hélicoptère et que les ennemis ne sont pas super super forts dans la. Enfin, les joueurs qui sont dans l'autre équipe ne sont pas spécialement très forts, la bombe nucléaire vous l'avez assez logiquement. Et là vous allez voir, ouais, voilà, j'ai la bombe nucléaire. Mais bon, on va pas s'arrêter là. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu. De la question. Donc j'espère en tout cas que pour ma description ça aurait été assez clair, même si je risque enfin j'espère que je n'ai pas parlé trop vite, etc. Mais si vous voulez en savoir plus, allez voir sur ma chaîne. Alors maintenant on va parler un petit peu de la question comme vous pouvez voir dans le titre, c'est quel serait votre type de youtubeur parfait? Alors pour vous, je vais vous expliquer un petit peu la question. Pour vous, comment voyez-vous le youtubeur parfait? Donc est-ce que vous voulez plus un youtubeur qui délire et qui fait des conneries, etc. Ou alors un youtubeur qui parle un petit peu plus des tactiques, etc. Un youtubeur qui propose juste des gameplays mais qui parle de la vie de tous les jours. Enfin voilà. Ou alors des vidéos de test, je sais pas du tout. Alors évidemment, si cette vidéo est upload, sur Code QG, il y aura évidemment beaucoup plus de commentaires et beaucoup plus d'avis. Donc évidemment, je profite pour peut-être passer sur cette chaîne. Pour voir ce que les gens pensent vraiment enfin des youtubeurs, comment est-ce qu'ils voient un youtubeur parfait. Alors regardez là, hop, petit 3-6 et ça passe juste à côté de l'ennemi, bon pas trop grave. Et voilà, donc pour la question, n'hésitez pas à laisser un commentaire
Un petit pouce bleu, je crois que c'est maintenant si vous avez aimé. Et n'oubliez pas évidemment d'aller voir ma chaîne YouTube si mon commentaire vous aura plu. Mes abonnés me réclament un peu plus d'humour dans mes vidéos car c'est vrai que j'ai beaucoup l'habitude d'être assez sérieux et c'est vrai que faire le con, je vais dire, dans des vidéos c'est facile, mais maintenant il faut savoir le faire comme il faut et moi j'ai peur en fait de me prendre des bides, etc. Donc voilà. Alors là, il nous reste deux frags à faire pour gagner cette partie-ci et vous pouvez voir évidemment que j'ai la bombe nucléaire. Alors regardez bien, je vais voir un mec là-haut. Alors un petit fail par cœur et puis là je tente un hardscope et puis pour finir je le tue dans la killcam par un headshot et comme un con et ça je vous le promets j'ai oublié la bombe nucléaire. Alors j'ai pas fait genre, j'ai vraiment oublié. C'est au moment où je regardais la killcam, je me suis dit merde, j'avais la bombe nucléaire. Enfin soit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.